What's up tout le monde, c'est Chris, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News. What the fuck. Je vais donc vous parler à propos du jeu Watch Dogs. Avant, j'ai juste une petite question pour vous, c'est est-ce que vous allez vous le procurer ou pas? Si vous regardez la vidéo, sans doute, hein, parce que normalement vous êtes intéressé par ça. Et je vais vous donner un peu les informations. Alors moi, oui. Et puis, je pense que je vais peut-être faire des petites séries dessus. Ça risque d'être plutôt intéressant. Alors avec toutes les informations donc du moment, sachant que ces derniers temps, beaucoup de gens se posent la question ou me posent la question. Il y en a aussi quelques abonnés qui m'ont demandé. Christo, est-ce qu'il y aura une démo pour le jeu Watch Dogs? Bien sûr, développé par Ubisoft pour bien sûr qui sortira donc cette année là. Alors déjà il sortira sur PlayStation 4, Xbox One, PS3 et Xbox 360 ainsi que la plateforme PC au même moment. Donc tout ça normalement c'est pour le 27 mai 2014. Donc ce qu'il faut savoir c'est que Ubisoft en fait envisageait, c'est à dire une démo pour en fait voilà, pour le jeu Watch Dogs. Mais il y a eu beaucoup de complications depuis, entre-temps, comme on a pu le remarquer. Normalement, le jeu, d'ailleurs, devait sortir l'année dernière. Mais on va dire Ubisoft avait des soucis au niveau du financement. Et puis aussi, il y a eu ce fameux jeu, enfin, ce grand jeu développé par Rockstar, qui s'agit de GTA V, hein, qui allait complètement écraser Watch Dogs. Même si Watch Dogs était, enfin, aurait été un super bon jeu avec de super bons graphismes. Même, voilà, avec, on va dire, l'ampleur de l'audience que a, on va dire, Rockstar avec le jeu GTA V, il serait fait même écraser, ce qui aurait été très dommage. C'est pour ça qu'il a été décalé. Alors d'ailleurs, il y a eu une petite réponse. Alors, juste avant, hein, pour les gens qui connaissent pas Watch Dogs, c'est une personne qui incarne en fait un groupe de hackers, un jeu vraiment libre, un peu comme à la GTA, où vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez, et à laquelle il y aura un peu des guerres d'informations. C'est-à-dire que les missions, ça sera essentiellement ça. Il va falloir chercher des informations, tout ça. Vous allez pouvoir, par exemple, contrôler des peu de feu rouge, voilà, hein, avec mon peu de vocabulaire. Putain, là aujourd'hui je sais pas ce que je pense, c'est l'électronique, ça a dû bouffer mon cerveau. Bref, donc il y a aussi un autre truc en fait. Si vous voulez, le directeur de la firme, donc bien sûr Ubisoft, a répondu à un fan, enfin répondu à plusieurs fans, il y a plusieurs tweets qu'il a fait, bien sûr, pas mal d'ailleurs, hein, vous pouvez aller looker sur le Twitter de Ubisoft. Il a répondu comme quoi il n'y aura pas de démo prévue avant la sortie du jeu, soit le 27 mai 2014. Donc malheureusement, ils avaient prévu une démo, le jeu devait sortir l'année dernière, enfin fin d'année, et il n'y a rien eu de tout ça. La démo d'ailleurs ne va pas arriver, malheureusement, donc il va falloir attendre, bien sûr. Bon, de toute façon, ça va être rapide, il reste quelques mois. En plus de ça, je vais vous faire afficher aussi normalement sur l'écran un nouveau trailer, un trailer qui vient d'apparaître. Donc voilà, c'est à peu près toutes les informations que j'ai pu acquérir donc à propos du jeu Watch Dogs. Malheureusement, il n'y aura pas de démo, le jeu sortira donc le 27 mai 2014 sur PlayStation 3, PlayStation 4, bien sûr, Xbox One, Xbox 360, ainsi que la plateforme PC avec des très bonnes résolutions. Donc franchement, ayez quand même un ordinateur plutôt puissant qui a des très bonnes caractéristiques, parce que ça risque d'être... Ah là, ça risque d'être une tuerie, un peu comme GTA 5 aussi qui sortira, bien sûr. On attend un jour, hein, lorsque ils se diront, bah voilà, faut le sortir, bien sûr, sur plateforme PC. Et donc, ça risque d'être très intéressant. Voilà, donc merci encore à tous les gens. N'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez tout ça dans la barre des commentaires, c'est juste en bas, c'est facile. Enfin, maintenant, c'est compliqué avec Google Plus, avec leur système un peu étrange. Et puis voilà, merci de mettre aussi un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir. Surtout, n'hésitez pas sur ma page Facebook personnelle, ça c'est une grande chose pour moi. Et puis, je vous dis à la prochaine, ciao, peace out.